bise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'il me tardait de vous faire. Une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque c'est un coup de cœur. Alors, je dois vous dire juste une petite chose. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va y avoir un concours. Je vous en dis plus à la fin de la vidéo. Donc tout d'abord, ça fait très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme celui-là et j'en suis très contente. Donc le livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est Sébastien Fitzek, Passager 23 chez l'Archipel. Alors ce livre sort mercredi 7 mars. Voilà, donc autant vous dire que dans 2 jours il sort puisque nous sommes lundi aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de le recevoir en avance bien sûr grâce à LP Conseil que je remercie profondément de m'avoir envoyé ce livre. J'avais lu Le Somnambule l'année dernière qui avait été un coup de cœur et celui-là est un coup de cœur différent, on va dire, du Somnambule. Alors, toujours pareil, pour moi, le Sébastien Fitzek, du moins les 2 derniers, marchent très très bien pour moi. J'ai pas lu ses autres, j'en ai plusieurs dans ma pile à lire d'ailleurs, qu'il faudrait que je lise. Mais j'aime beaucoup sa plume et voilà, ça m'embarque à chaque fois. Donc pour commencer, eh bien, je vais vous lire la 4e de couverture, comme ça je ne vous en dis pas trop parce que je pense que vraiment dans ce genre de livre, il faut y rentrer sans trop en savoir. Imaginez un lieu isolé, un lieu où disparaissent année après année des dizaines de personnes sans laisser de traces. Un lieu rêvé pour des crimes parfaits. Bienvenue à bord. La croisière ne fait que commencer. Voilà, donc avec ce résumé et la couverture du livre, je pense que vous avez compris dans quel lieu on allait se retrouver. Voilà, alors j'ai adoré ce livre, il a été méga addictif pour moi, c'est-à-dire que voilà, j'avais pas envie de le lâcher. Et surtout, Sébastien Fitzek, il a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'il réussit à vous mettre des petits twists au fur et à mesure de votre lecture. Ce qui fait qu'il vous accroche à chaque fois un peu plus, et vous vous posez toujours plus de questions, et vous avez envie toujours plus d'en savoir, et c'est pour moi son gros point fort. Ça, et deuxième point fort pour moi, c'est le personnage que vous allez rencontrer dans ce livre. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage-là. Il a quelque chose, voilà, on rentre en empathie avec lui sans problème, on a envie de l'aider dans son enquête et même on réfléchit pour savoir mais qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très addictif et j'aime beaucoup. Il y a juste une petite chose, la fin, ça aurait pu être un coup de cœur monumental. Mais je trouve que l'auteur aurait dû s'arrêter à un moment donné. Il y a quelques pages de trop pour moi, hein, à mon avis propre, voilà. Mais c'est quand même un coup de cœur, un superbe coup de cœur, parce que à cause de ce personnage, à cause de cette addictivité, justement, de ce livre, quoi. Voilà, ça se lit super vite, ça se lit super bien. Et on a envie toujours plus d'en savoir, d'en savoir, d'en savoir, d'en savoir. On est étonné par les twists qu'il met. Et franchement, pour ceux qui aiment bien lire du thriller, du suspense, voilà, du psychologique, eh bien, moi, je peux dire que foncez parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Voilà pour mon avis. Alors maintenant, on passe eh bien, au concours. Sachez que grâce à LP Conseil et bien sûr les éditions L'Archipel, vous allez pouvoir gagner un tome de ce livre. Alors j'ai le mien ici et il y a le vôtre qui est juste ici, voilà. Alors juste pour vous dire, je remercie LP Conseil et la maison d'édition L'Archipel. En fait, si vous voulez tout savoir, pour être totalement transparente avec vous, ce livre, je l'ai reçu en double en fait. Je suis arrivée dans ma boîte aux lettres, voilà, je regarde 2 colis qui viennent de l'édition L'Archipel donc et LP Conseil. Je me dis, oh cool, c'est la fête et tout ça, je l'ouvre, j'ouvre le premier, un Sébastien Fitzek, cool, waouh, j'ai envie de le lire direct. 2e colis, waouh, ah, ok,
je reçois un deuxième livre, le même, des éditions L'Archipel aussi, Passager 23 de Sébastien Fitzek. Bon, je dis, il y a deux exemplaires, il y a dû y avoir une erreur. J'ai envoyé un mail donc à LP Conseil qui m'a répondu et je leur ai dit bon ben voilà, j'ai reçu deux exemplaires, comment je fais? Est-ce que je vous le renvoie? Est-ce que je fais un concours sur la chaîne, etc. Et très gentille, la dame m'a dit écoutez, faites un concours, voilà. Donc j'étais très contente parce que je peux vous faire plaisir. Ça arrive rarement ces moments où je peux vous faire plaisir, surtout avec un coup de cœur. Donc je suis très contente et je les remercie vraiment beaucoup. Alors vous verrez, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le Google Form à me remplir en fait. Voilà, où il y a votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube, enfin bref, voilà. Quelques petites questions banales à répondre pour pouvoir enregistrer votre participation. Mais par contre sachez qu'il y a des conditions et lisez bien les conditions qui sont au tout début. Parce que c'est important, c'est en quelque sorte, voilà, les conditions habituelles. Hein. Alors, habiter en France métropolitaine, je suis désolée pour les pays, les personnes qui sont belges, suisses, etc. Je suis absolument désolée, mais c'est moi qui envoie avec mes petits sous. Et voilà, je peux pas me permettre de faire trop, surtout que j'attends le passage des 1000 abonnés pour vous faire un autre concours. Où là il y aura d'autres livres, donc je peux pas me permettre de dépenser voilà, beaucoup en frais voilà, avec la poste, donc je suis désolée. Une participation par foyer, bien sûr, les conditions ce sont être abonné à la chaîne, aller liker la page Facebook de l'Archipel, des éditions L'Archipel et de LP Conseil. Et bien sûr, je vous ai mis une petite mention pour vous dire que si jamais la société d'envoi, donc la poste, perd le colis ou qu'il y a un problème avec le colis, bien je peux pas être tenue responsable. Voilà, vous savez très bien que je suis pas à la poste, c'est pas moi qui vais vous livrer le colis, donc voilà, je tenais quand même à me préserver à ce niveau-là. Voilà. Donc sachez que si vous partagez le concours sur les réseaux sociaux, vous aurez une chance supplémentaire. Donc voilà, j'espère que, eh bien, que ça vous fera plaisir. Sur ce, moi, je vous souhaite eh bien, de bonnes lectures. J'espère que ce concours vous fera plaisir. J'espère que ça vous donnera envie de lire ce livre. Je vous mettrai la date d'ouverture du concours parce que je pense que ça va durer une semaine, donc jusqu'à lundi prochain. Mais je vous mettrai les dates correctes dans la barre d'infos, etc. Voilà, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations nécessaires. Sur ce, cette fois-ci, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.